Hey, Mina. Okay. Okay. Wait, oh. Earl. Wait. Donc, aujourd'hui, je vais présenter sur mon projet de recherche qui est sur l'origine, le développement et l'influence mondiale de la musique électronique française. Quand j'ai commencé mes recherches, j'avais l'idée avec l'influence de la musique classique sur la musique moderne aujourd'hui, mais c'était influencé par une chanson par Stromae qui s'appelait Carmen, et je vais présenter un sample de ça, mais ça changeait la musique électronique en général parce que j'ai trouvé rien de ressources sur la musique classique qui transfère la musique moderne. Donc, pourquoi? La majorité de la musique de nos jours devient de la musique électronique. C'est plus populaire pour notre génération que les instruments, plutôt. La musique américaine est toujours capable d'être mondiale aussi, mais est-ce qu'il y a une transférence pour la musique française à la même façon, le même pouvoir? Donc, est-ce que la musique électronique française devient aux États-Unis ou pas? Donc, mon thèse. Et est-ce que la musique électronique française avait une grande influence sur la musique mondiale à cause des artistes de nos jours? Est-ce qu'il y a des autres éléments qui ont aidé à l'obtenir? Donc, est-ce que les artistes aujourd'hui qui jouent la musique électronique ont de la pouvoir pour transmettre leur musique sur le monde? Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre, mais... Ou est-ce qu'il y a des autres éléments comme la publicité, les médias sociaux, choses comme ça? Donc, le passage pour mon recherche est l'origine de l'histoire, le développement et aujourd'hui. La musique électronique avait son début avec la musique concrète en 1948, qui transfère touche musique et continue à danse, techno, etc. aujourd'hui. Donc, ça, c'est mes sources que j'ai trouvées pendant mes recherches, mais plus à venir. J'ai 5 ou 6 maintenant, mais plus à venir. Les artistes ont discuté potentiellement que je vais faire mes recherches pour de nos jours, comme Daft Punk, David Guetta, DJ Snake, Justice, Marion, Martin Solveig, M423 et Stromae. Est-ce que vous savez quelques noms ou tous les noms? Sont populaires aux États-Unis. Et ça, c'est des exemples, donc je vais commencer avec Stromae. Juste des petits clips. Starbucks Mourinho 70 Cold Brew Coffee. In stores now, only at Starbucks. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui, seulement pour 48 heures. D'abord on s'affinit, ensuite on se follow. On en devient fêlé. Et on finit solo. Regarde à toi et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes, les followers, vous faites erreur. Vous savez juste la cote. Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Donc ça c'est l'exemple. Et Carmen était une opéra par Georges Bizet. Et Stromae a choisi quelques éléments de l'opéra pour mettre dans sa musique.
aussi, est-ce que vous savez Midnight City? Aussi, je vais juste jouer Pop Culture par Marion. Je pense que vous... C'était en 2012 et il a mis sur YouTube et il a gagné beaucoup de la popularité à cause de ça et maintenant il est un producteur vraiment populaire aux États-Unis et à la France aussi. Donc pour finir, juste mon thèse encore et comment nous avons discuté beaucoup des styles de musique dans ce cours mais pas de la musique électronique et comment il peut, la musique française peut influencer les écouteurs aux États-Unis et aussi les écouteurs mondiaux. Donc c'est tout. Si tu veux, je connais Zed, musique. Zed aussi. Oui. Yeah. So si tu veux une autre chose de musique. Je pense que Zed était né en Allemagne. Allemagne oui. So. Ok, mais je ne sais pas exactement. Aussi à Petit Biscuit. Okay. Et française et électronique, je pense. Je pense, j'aime ton thèse, mais il est un peu grand. Ouais. Je pense, donc, un peu de spécificité avec les artistes, ça c'est une bonne idée, je pense. Mm-hmm. Ça c'est juste quelques noms que je peux utiliser et je pense que je vais utiliser Stromae et aussi Madian, mais je ne sais pas exactement combien, pas toi. Peut-être 12-4. Je pense que c'est intéressant le fait que normalement tout ce type d'artistes parlent en anglais parce qu'il y a un grand public qui la musique. Mais est-ce que ton recherche sera focalisée dans la musique des artistes comme ceux à eux qui sont à normalement, comme Madion et M83 qui parlent en anglais, comme d'avant. Je vais utiliser Stromae par exemple parce qu'il parle seulement en français. Mais il y a quelques artistes, je pense, pendant mes recherches au début, les artistes qui sont français qui parlent en anglais dans leur musique, c'était un choix d'être plus mondial, d'être plus, ou devient plus populaire à cause de l'utilisation de langue en anglais, mais je cherche pour les artistes qui sont juste français, qui parlent en français dans la musique, qui deviennent populaires.